pas hésiter à faire ça couler à même. Like vidéo, abonnez à la chaîne là. Et en plus de ça, activez la cloche notification. Il y a une façon pour ne pas rater puis une nouvelle vidéo qui n'a pas lagué. Eh bien, let's go! Je vais arrêter jusqu'à présent à parler avec vous là. Football qui piche dans le mode là. Dans toute histoire football là. Eh bien, dans affaire de dépenser l'argent pour acheter gros bagages qui vaut 2 millions de dollars. Neymar pas mesuré dépenses ça. Surtout que il a un salaire de rêve dans Paris Saint-Germain qui est égal à 36,8 millions d'euros chaque année. Avec Coutinho ça, attaquant sélection brésilienne, il y a une vue de luxe qui pas mal du tout. Eh bien, c'est ça que fait dans vidéo ça, moi vienne présenter au tout gros achat qui plus cher que cap brésilien t'a fait. Mais avant de commencer, si vous t'avez hésité à abonner à la chaîne là dans commencement vidéo, eh bien, ou pas besoin d'hésiter faire ça, ou même faire ça couler à même une façon pour pas rater pièce d'autres vidéos qui n'a plagué pour vous sur channel là. Like vidéo là parce que c'est celle-ci qu'on a demandé. Et bien après qu'on fin fait deux bagages ça yo, nous enfin prêts pour nous louer ensemble tout gros achat que Neymar fait côté que il dépenser gros l'argent là-dedans. Yo kay dans ville touristique ça dans pays Brésil qui relé Balneário Camboriú. Film qui est responsable construction édifice ça relé Pascoal Auto. Il t'a fait connait que c'est un édifice qui plus haut parmi gros building qui gagne dans pays Brésil. L'édifice a un design de Pininfarina qui est un film italien qui design machine. Par exemple, voiture Ferrari, c'est film ça qui design tout. Quand tu as l'argent que Neymar investi pour faire acquisition édifice ça, c'est 8 millions de dollars qui c'est un des plus gros achats que Neymar a fait. Yo Lamborghini Veneno. Here we go, money talk. Lamborghini Veneno, c'est une super voiture qui a seulement deux portes, qui a un moteur de 6.5 litres et qui est capable d'aller jusqu'à 750 chevaux. La machine est capable d'atteindre une vitesse maximale de 356 km par heure et c'est la deuxième machine qui est plus chère parmi toutes les machines Neymar. Eh bien, Lamborghini Veneno, ça a coûté Neymar 3.2 millions de dollars. Liken Hypersport. Here we go, money talk. Liken Hypersport là, c'est une machine qui sort dans le pays Liban avec une porte à gauche et deux portes à droite. Il est alimenté par un moteur turbo de 3.7 litres et 780 cavaliers. La machine est capable d'atteindre 395 km par heure et il coûte Neymar 3.4 millions de dollars. Eh bien, voiture ça qui c'est Liken Hypersport là, c'est la troisième de machine qui est plus chère que le fournisseur libanais ça a produit. Yon Yach. Here comes the money. Here we go, money talk. Here comes the money. Après que espion te fin prend photo Neymar ak Zamilio, ak yon seri belle mesdames dans yon yacht, que homme d'affaires ça qui le Walter Torre te prête messieurs dames yo, eh bien, par la suite, Neymar t'a pral acheté propre yacht pal qui coûte 15 millions de dollars. Yacht sa gè la dan, 3 suites, yon salle à manger pour 8 moun ak yon cuisine. Ou pas ta imagino ki non Neymar ba yacht sa. Eh bien, Neymar ba yacht sa apote non maman ki rele Nadine. N'a pas bloqué yacht sa li kapran jusqu'à 60 moun. Yon premier hélicoptère. Here we go, money talk. Here comes the money. Neymar ba gaspiller l'argent li seulement nan acheter machine de luxe. Eh bien, kak brésilien gen actif li tout, yon hélicoptère de marque EC-74B4. En jan sa coûte Neymar 3.9 millions de dollars et c'est un modèle qui est super légère, silencieux et confortable. En plus de ça, l'hélicoptère ça a capoté seulement pilote là, deux moun devant à quatre moun derrière. Koenigsegg CCXR Previta. C'est modèle machine qui piche parmi toutes machines Neymar. Koenigsegg CCXR Previta qui a pas couru plus que 420 km par heure. Eh bien, Neymar a déboursé 4.8 millions de dollars pour lui acheter machine ça. Moi dois noter au tout que machine ça a un moteur qui est vraiment puissant qui vient à 4 soupapes dans le cylindre de 4.8 litres chaque là. Qui a distribué une grande puissance de 1018 HP et qui a parcouru plus que 420 km par heure. Yon kay tout près Rio de Janeiro. Here we go, money talk. Here comes the money. Neymar gen l'autre kay dans le pays du Brésil qui coûte à peu près 5.2 millions de dollars. Dans la ville sa akele Porto Belo qui trouve tout près Rio de Janeiro. Kaisa a occupé un total de 6275 m2 d'espace. Et li gen la dans tout, yon port pour hélicoptère, yon gym, terrain tennis ak sans suite.
yon jet privé. Here we go, money talk. Here comes the money. Neyma gen tou yon jet privé intercontinental, sa vle di li ka voyage la dan soti nan yon peyi, ale nan yon lot. Jet sa a koute brésilien yon som ki plus ou moins égal à 7.1 million de dollars, kote ke li ka pote jusqu'à 9 moun et ki ka parcouru jusqu'à 7.2 000 km. Yon deuxième hélicoptère. Here we go, money talk. Sa pa gen pil tan, atakan brésilien te fè akizisyon de yon deuxième hélicoptère afin ke pou kapab ran koleksyon li a beaucoup plus grande. Hélicoptère sa se yon model Airbus 145 ki ka pran jusqu'à 9 passagers ak 2 membres d'équipage. An jen sa koute Neymar 12.5 millions dollars. Donc, le nan fè kontrol de tout gwo achat sa ke Neymar fè, eh bien, kalkil la révélé que Neymar dépensé à peu près 61 millions de dollars pour tout gwo achat sa yo. Sans côté ça qui moins cher par rapport à Samsung cité yo là. Nous sortons ensemble tout gwo achat que Neymar fait qui plus cher. Pas oublier si vous t'aimez mes vidéos, like les parce que c'est seule façon capable supporter nous. Si vous pas abonné à la chaîne là, faites ça cool là afin que vous capable toujours joindre nouvelles vidéos qui n'a plagué. Eh bien, l'été pour me dire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.